un manga sur l'Auvergne, un fromage qui va avoir des super pouvoirs. Moi je vois bien une ferme avec des charolaises. Hein. Une vache avec des fruits du démon. Ce serait quoi le fruit du démon? En vrai, fruit de le pyrofruit, ça serait pas mal. Ah, il y a des trucs sympas à faire autour du volcan, pourquoi pas des monstres ou un personnage principal créé à partir d'un volcan. Tu veux répondre? Il faut savoir qu'on est déjà une terre avec des choses mystérieuses à la base. L'Auvergne, il y a du mystère, ça s'est perdu avec les années. Donc, si on devait faire une série, effectivement, on peut creuser beaucoup, beaucoup de choses. C'est mortel! Moi, je suis assez magical girl, mais un peu dark. Donc il faudrait essayer de faire un groupe de magical girls bien auvergnates qui doivent se battre dans des temples sur le putain. Quelque chose avec des dragons, parce que c'est une région qui est très Camelot, tout ça. Il y a beaucoup de rochers, de montagnes, de châteaux avec des légendes arthuriennes. Moi je pense que je ferais un truc à la Food War, un peu. Sur tourner autour de tout ce qui va être le fromage, la truffade. Ouais, le bon truc du terroir, on va dire. Et tourner quelque chose comme ça pour faire découvrir un peu nos produits français à l'étranger et tout ça. Et un petit mot pour la fin? En vrai, de vrai.